ozali kotambula na se ya bebe komona musala ya soda ya Total, 3600 policiers ont été formés dans les deux centres de Kapalata et celui de Lukusa, basés ici dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a marqué sa présence à cette cérémonie de clôture de formation de cette promotion dénommée Joseph Kabila Kabange. À son arrivée au lieu de la cérémonie à Kisangani, il a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, le gouverneur de la Tchopo, le commissaire général de la police nationale congolaise, le chef d'état-major général et le directeur général des écoles et des formations de la police. Le chef de l'état, Joseph Kabila Kabange, a passé ensuite les troupes en revue. Après son installation, la cérémonie débute par le programme de la journée lu par les billets du colonel Mwana Mputu. Ensuite, le gouverneur de la Tchopo, à son tour, viendra faire le mot de bienvenue qui avait été suivi par la lecture de la fiche technique par lui-même, l'homme des 3C, le général Célestin Kanyama, appelé affectueusement l'éclairage qui reprend toutes les étapes parcourues par la direction générale des écoles et formations de la police depuis le recrutement, la formation et la clôture de cette session. C'est pour moi un plaisir de prendre la parole en ce jour marquant la clôture officielle de cette promotion. Je remercie pour ce faire Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Commandant Suprême des Forces Armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, et tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Cela témoigne leur attachement à l'idéal poursuivi par Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement à la formation d'une police républicaine, professionnelle, disciplinée et équipée. Je me vois dans l'obligation de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour la première fois que la police nationale congolaise organise une formation de grande envergure entièrement financée par le gouvernement de notre pays. 12 000 hommes ont été recrutés et répartis sur les trois sites, à savoir 3 600 au centre d'instruction Lukusa, école de police Kapalata, regroupant les provinces ci-après: Bazuele,
Otuele, Ituri, Tchopo, Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. 4400 CI Kikona, regroupant les provinces après Kinshasa, Kwangu, Kwilu, Maïndombe, Congo central, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Équateur, Mongala et Tchopa. 4000 centres d'instruction Kamina, regroupant les provinces Siapre, Kasai, Kasai oriental, Kasai central, Santuru, Lomami, Olomami, Okatanga, Lualaba, Tanganyika et une partie de Kinshasa. Tout ceci grâce à la détermination et à la vision de l'autorité suprême, le président de la République. C'est pourquoi cette promotion porte le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabane. Les effectifs des 12 000 jeunes recrutés rigoureusement sur l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément à la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013, portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, prévoit dans son article 16 le recrutement par voie de concours direct ou externe qui est ouvert à tout candidat de nationalité congolaise en vue de son admission au corps des policiers de carrière. Dans son article 17, alinéa 11, dispose qu'il faut être classé en ordre utile au concours de recrutement. C'est ce qui avait été fait. Au regard de cette loi, tous les policiers ici présents, âgés de 18 ans à 25 ans et de bonne moralité, ont bénéficié d'une formation dont la mallette pédagogique a été confectionnée par les experts de la police nationale congolaise et ceux de l'armée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de vous rappeler que c'est une première dans l'histoire sécuritaire de notre pays qu'une formation regroupant 12 000 hommes pour les services de sécurité intérieure soit organisée. Ces recrues, hier, aujourd'hui policiers, ont été soumises à des niveaux d'examen. Le premier examen au niveau de la province des recrutements, le second au niveau de l'école de police et au centre d'instruction, confirmant les examens faits antérieurement. Sur l'effectif de 6500 jeunes congolais recrutés au départ, répartis de la manière suivante: province du Sud Kivu, 1100, province de la Tchopa, 1000, province d'Ituri, 1000, province du Nord Kivu, 1000, province du Bas-Ouélé, 800, province du Haut-Ouélé, 800, province de Maniema, 800. Après les examens d'aptitude physique, médicaux et scientifiques, nous avons retenu un effectif de 3600. Nous nous sommes rassurés de leur parfaite santé. Ceux qui vont vous le démontrer tout à l'heure, également tout au long de leur carrière et dans leurs unités d'affectation. Démarré depuis le 13 juin 2018, cette formation a duré le temps prévu par la hiérarchie avec un effectif total de 3600 répartis de la manière suivante. Pour les CI Lukusa, les hommes étaient au nombre de 2212 et pour les femmes, ils étaient au nombre de 185. Total global, 2399. Pour l'école de police de Kapalata, au départ pour les hommes, 1093 et pour les femmes, 100. Total global, 1193. En général, pour les descentes, les hommes 3305, pour les femmes 287, pour un effectif de 3592. Malheureusement, les faibles au nombre de 8 ont abandonné à mi-parcours. Voici par ailleurs les cours qu'ils ont suivis. L'expression française,
éducation à la nouvelle citoyenneté, organisation politico-administrative de la République démocratique du Congo, initiation à l'informatique, technique de communication et relations publiques, anglais, sécurisme, orientation sur le terrain ou la lecture des cartes, éducation physique, organisation de la police nationale congolaise, statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, police de proximité, éthique et déontologie policière, service intérieur et règlement de discipline, ordre public, maintien et rétablissement de l'ordre public, notion de migration, rédaction des rapports de police, police de circulation routière, self-défense, gestes techniques professionnels d'intervention, GTPI en cycle, transmission, ordre serré, armement éthique, instruction pratique, organisation et compétences judiciaires, notion de droit pénal, loi spéciale, notion de procédure pénale, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, violence basée sur le genre, tactique, phase individuelle. Grâce à cette série de formations, la police est en train de monter en puissance et se conforme aux standards internationaux. Nous remercions le président de la République, l'autorité suprême, pour son implication personnelle à la réussite de cette formation. Nous remercions également le gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort pour assurer la réussite et permettre à cette formation d'atteindre ses objectifs. Nos remerciements vont aussi au commissaire général de la police nationale congolaise pour son esprit combatif et toute la hiérarchie de la police dont l'engagement et l'implication ont été déterminants pour le succès de cette formation. Oseré Loré, je tiens à vous féliciter pour la discipline et la solidité dont vous avez fait montre pendant toute la durée des formations. Vous constituez les socles de la police d'aujourd'hui et de demain. Votre rendement sur le terrain vous fera bénéficier la confiance de la population. Aux instructeurs des forces armées de la République démocratique du Congo, et formateur de la police nationale congolaise, je vous félicite et remercie votre patriotisme et dévouement. La nation congolaise vous est reconnaissante. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la direction générale des écoles et formations, je vous remercie. Après le speech du directeur général des écoles et formations de la police, le général Célestin Kanyama, le relais sera passé au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, qui lui à son tour va procéder à la cérémonie de prestation des serments au service de la police de ces nouveaux policiers qui vont dorénavant servir sous les drapeaux après des meilleures formations reçues au standard international. Je prends acte de serment en qualité de membre effectif de la police nationale, du corps de carrière de la police nationale, mes très sincères félicitations et je vous souhaite une longue et loyale carrière au sein de cette grande famille. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, avait ainsi pris acte de leurs prestations. Ensuite, interviendra des démonstrations des formations reçues devant les chefs de l'État et toutes les personnalités présentes à la cérémonie. Thank you.
Sûrement. Prenant la parole à son tour, le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli, a prodigué des conseils aux nouveaux éléments de la police et a remercié ces derniers pour le dévouement, le sacrifice et l'abnégation qui les avaient caractérisés durant le temps de leur formation. Il a également demandé aux anciens de la police de les accueillir. En effet, c'est grâce à vos multiples efforts et sacrifices que ces policiers ont été formés et je vous en félicite. Je vous exhorte à toujours remplir votre tâche d'instructeur avec beaucoup d'abnégation et continuer à mieux former les différents élèves policiers qui seront mis à votre disposition. À vous, jeunes policiers, vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, la formation que vous venez de terminer vous aidera certainement à parfaire vos connaissances policières futures et à avancer normalement en grade si vous mettez en pratique ce qui suit. 1. La discipline. Exécutez tout de suite et correctement les instructions de votre hiérarchie. Être sincère et honnête. 2. L'exécution correcte des missions de la police conformément aux textes légaux. 3. Le respect strict des règles de bon comportement du policier vis-à-vis de la population. Éviter le vol, la tracasserie, l'ivresse publique, les violences sexuelles, etc. Bref, tout ce qui déshonore la police nationale congolaise. Veillez donc au respect strict des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. 4. Le politisme de la police. 5. Le caractère national et républicain de la police. Donc, être prêt et disponible à servir sous le drapeau partout sur l'étendue du territoire national. 6. Enfin, la loyauté et l'amour de la patrie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
à vos titres et qualités respectifs. Distingués invités, chers lauréats, merci beaucoup pour votre aimable attention. Pour joindre l'utile à l'agréable, un défilé a été organisé devant son Excellence, le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé. Il faut noter qu'après cette clôture des formations, de ces 3600 nouvelles recrues de la police, des deux centres, celui de Lukusa et de Kapalata, les nombres total des formés ont été ramenés à 12 000 hommes, atteignant ainsi l'objectif premier, impulsé par les commandants suprêmes de la police, les chefs de l'État, les présidents de la République, Joseph Kabila Kabongé, qui était de former 12 000 policiers au standard international afin d'obtenir une police professionnelle. Ainsi, les rideaux ont été tirés en ce qui concerne la formation des nouvelles recrues. Ici est de noter que trois différents sites avaient servi de cadre à ces formations, à Lukusa et Kapalata, Kitona et Kamina.